Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec le Dominion Galactique. Alors on était en guerre contre, comment il s'appelait déjà cela ? Le Shaptak Manufacturing, des capitalistes. On va leur demander de nous verser un tribut. Pour être des capitalistes, il va falloir qu'ils payent. Ça va être cool. Alors, on a un petit bout de flotte qui s'enfuit là. Alors ce que je vais faire, je vais juste faire reculer ma flotte à moi par ici. Et on engage, yes, allez, on engage le combat. Là ça devrait bien se passer, pas trop de difficultés sur ce monde capital là, parfait. On va essayer d'aller engager le combat avec le reste de ses flottes. Et on va, hop là, faire le tour par ici. Comme de vie s'y connaît. Bon, je suis à nouveau au max en... Donc là. J'ai de la place ici pour faire de nouveaux carrefours commerciaux et un autre silo de stockage. Ici on a de la place pour deux carrefours et un silo de stockage encore. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a déjà dans ces autres trucs. Et après j'ai ces stations là qui sont déjà en train d'être améliorées pour avoir une meilleure capacité navale. Et toi d'ailleurs tu as des stations minières et des stations de recherche à faire. Perfecto. Je veux juste voir, ouais, pourquoi avec lui, je pourrais engager le combat là-haut. Pour nettoyer un petit peu de tous les ennemis ces choses-là. Bon. Bien, engager le combat avec ces quelques vaisseaux qui restent là. Je crois qu'il s'est enfui à nouveau, ok. On va retourner à Chapturis pour prendre la planète. Et parce que si on regarde Chaptor, ouais, son appartement a chié, donc du coup on va directement poser la nôtre. Ok. Alors il a quoi là? Il a peu de flotte par ici. C'est quoi ça? Ou l'automatic drainout? Bien. On va éviter d'aller l'enquiquiner lui. Hein. Star System Charted. Ok, on en profite pour réparer au passage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, nouvelle ressource. Pour pas d'ailleurs. Voyons voir. Je pense qu'on va... Enfin, on va aller vers les rôles de combat avancés. Au laser, parfait. Vraiment, ici, j'ai rien de mieux à y faire. J'ai vraiment... J'ai juste beaucoup trop de ressources. Vraiment un problème de riche, comme on dit. On va nettoyer ça et puis on va aller explorer avec lui. Et normalement, lui, dans la foulée, il va venir construire cette base-là. Alors, j'ai bien envie d'engager le combat avec lui quand même. Ah, si, ouais, on a réparé, donc c'est parfait. Voilà, il s'est enfui. Là, normalement, on devrait faire notre invasion. Construction complete. Voilà, ça y est. Sans bombardement préalable parce que je suis trop ouf. Ah bah ça y est, on a pris. Nickel. Fuck. Allez, combien ils sont ici? Ah, 250 quand même. Nombreux. On va directement pouvoir revenir ici déjà. Imposer les buts de guerre, pas encore tout à fait. Ah, attendez. Derrière en premier parce que j'ai pas envie de crier, de cliquer sur capituler sans le vouloir. Un peu la blaze. Hulks vivisected. Voilà. Toi tu vas retourner pour t'upgrader. Et toi tu viens directement nous reconnaître. L'invasion planétaire a commencé pendant ce temps. Juste reprendre ce système. On va venir engager le combat par ici. Et planète sécurisée aussi. Ah bah pour les Keptilium, je peux monter jusqu'à 19 maintenant. Ok, les zones de haute sécurité. Alors ça, on va pouvoir se les construire. Après,
Centre de commandement, ça peut être sympa. Le vivier de personnalité augmenté pour 9 mois, je vais prendre ça vite fait. Toi, tu vas vite. Non, je pense que là, il est déjà automatiquement. On va y voir. Ouais, il faudrait commencer à venir par là-bas en fait. Oh! Ah oui! Effectivement. C'est plus rapide de faire comme ça. Alex, hop, 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 tu passes par où toi? On va le mettre en fuite, va. Là, j'en ai marre qu'ils me reprennent ça à chaque fois là. Voir si on peut engager le combat avec lui. Anomaly found. Ça y est, boum. D'ailleurs, de toute façon, il doit plus avoir normalement de système. Construction complete. Oh. Ah, sympa, 9. Ah, mais c'est à côté de chez moi en plus. Bien. Voyons voir, il mène où déjà celui-là. Ich. Par un avant-poste. Après, on a un vaisseau scientifique dispo. On est déjà un là. Alors, je vais le renvoyer en auto, lui, pour l'instant. Je crois que ça y est. Conflit terminé. Ok, donc, du coup. C'est un tributaire. Il nous verse 25% de leurs minéraux et de crédit énergétique. On regarde. Dépendance taxée, plus 11. Et... dépendance taxée, plus 17. C'est cool. Ça marche bien ce truc. On va venir upgrade. Du coup, c'est considéré comme une dépendance. Et c'est permanent en fait. Le truc, c'est que si je déclare des guerres, ils peuvent pas nous rejoindre quoi en fait. Je pense qu'on va venir jusque là. On va reprendre nos flottes de transport. Et cette flotte de transport, on va la faire se déplacer jusqu'au. La victoire. Et terminé. Parfait. Anomaly found. Star system charted. Nickel. Donc comme ça, on va pouvoir faire la même chose, je pense, sur le mec au sud là. Ou alors je le transforme en vassal direct, mais. Bon, je pense qu'on va le mettre en tributaire lui aussi. Technology secured. Alors. Star system charted. Excusez-moi. Tiens, on va prendre le truc d'habitabilité pour voir. Et on va prendre... celui-là. Voilà, en plus, c'est exactement sur le bon truc, en plus. Parfait. Alors, juste mon ancrage. Voilà. Surtout toi que je voulais voir. Cet ancrage, on va rajouter d'autres ancrages. Après c'est silo de stockage, ouais, je suis à 17 000 du coup au max. Il faudrait passer au niveau suivant, on est en train de rechercher. Ouais, 3 mois pour les forteresses, parfait. On va regarder toutes nos forteresses du coup. Ok, donc toi t'as terminé. Les vaisseaux de construction qui en branlent pas une par contre. On va venir ici. Et ici. Ce sera fait. Donc on a un vaisseau scientifique, je voudrais l'utiliser pour explorer ces 3 trucs là. Construction. Il va falloir que j'aille nettoyer ce qu'il y a sur place en premier. Donc ce vaisseau de construction. Vite fait lui faire faire les stations minières et stations de recherche par ici. Comme je disais, monsieur, je pense qu'on va aller l'éclater militairement. Viens voir, forteresse stellaire, parfait. On va améliorer, yes, on va upgrader nos réseaux miniers. Et du coup, ouais, on va faire ça. Alors, je suis bien 8 sur 8, ouais. Forteresse stellaire ici et ici. Ces stations-là, pour l'instant, si, ouais, je vais les améliorer tout de suite. Donc, Dorfil et Ival. Et pour l'instant, ce sera tout. Parce que là, ouais, ça m'a coûté pas mal de thunes. Parce que surtout, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il faut que je remplisse un petit peu plus ces trucs-là. On est à 80 au total. Monte à 10. Ouais, ça marche. Ok. Et ici,
monter jusque là. Voilà. Star system charted. Vessels upgraded. Upgradé. M'inquiète un peu ces deux destroyers là. Ah non, ils vont me reconstruire tous mes destroyers, ces imbéciles. Annule tout. Ça, c'est pas normal. Le problème, c'est que c'est bel et bien ce modèle-là. Vous voyez ? C'est pas bon, quoi. Ça fait chier. Star system charted. On va enlever les destroyers. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, voyons voir. On va prendre le destroyer. On va faire un joli mix énergétique là-dessus. Ok. Amélioration auto, on va lui donner un autre nom. Regardez. Ok. Du coup, on va tout de suite retirer ça. Et on va y ajouter un nouveau modèle de vaisseau de type Ride of machin chose. Là. De flotte ou non, même pas. Non, c'est pas le Pride of Fusain qu'il fallait mettre, c'était l'autre. Et oui, c'est Pride of Nokonomis, ouais. Ok. Ah, je comprends pas. Construction complete. Construction complete. Bizarre. Alors les lois martiales ont arrivé à expiration. Alors ici on va augmenter les revenus tirés de nos tributaires. Par curiosité, on est à combien du coup? 31. Nice. Ah, ça m'inquiète de mettre ces 5000 directs parce que si c'est pour ces destroyers directs là, ça m'emmerde un peu. Hein. Attendez, je vais le repasser à 0. Enlever cash. Dire à ce monsieur la même chose. Ah. Donc si je veux le renforcer, on va renforcer uniquement les chasers pour l'instant. Alors toi, on travaille. Oh, système du secteur principal, ça me plairait bien, ouais. On va le prendre. Ensuite, ce monsieur avait terminé par ici. Je pense qu'on va le faire revenir du coup maintenant. Et je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ah, j'aurais bien leur verser un tribut en nourriture, au pire j'en ai un paquet. Ça a pas eu trop d'effet, j'ai l'impression, c'est bizarre. Toi, tu vas venir nous faire ça. Un petit peu loin en termes de voyage. On pourrait du coup envoyer la flotte. Ah mais non, parce qu'on est déjà en train. Ouais, on va attendre qu'elle soit finisse de subgrader. Et puis on va attaquer ce monsieur au sud. Ouais. On va pouvoir l'attaquer direct. On va lui forcer la vassalisation. De toute façon, on a notre flotte qui est vraiment juste à côté. Il y a combien? 1900. Ah, ça devrait être gérable. Alors, je sais pas trop ce qu'ils nous font, eux. Donc, du coup, en doute, on va les laisser nous reconstruire tous ces trucs-là. Donc, on va patienter un petit peu que nos flottes soient bien au maximum. Ah oui. Alors, toi, t'as besoin de... être un truc de recherche, même si c'est pas du tout optimal. Hein. Ça m'embête beaucoup. Là, on va intervertir. On va tout mettre là.
Technology secured. L'autre, il me ferme les frontières. Ça me fait rire. Ok, les rôles de combat avancés. Je pense qu'on va passer à la centrale d'alimentation du vent. Donc comme ça, du coup, on peut upgrader ça. Upgrader ça au passage. Ah oui, 136 sur 129. Je suis un petit peu au-delà de ma capa navale, moi, en fait, hein, depuis tout à l'heure. C'est un léger souci, ça. Construction complete. Mais on va voir, ici j'ai upgradé la taille. On va faire un autre silo de stockage. Ces deux là sont en train d'être améliorés en forteresse, on pourra y faire un truc qui améliore les ancrages du coup. On va améliorer un petit peu ses défenses au passage derrière. Bah, puis on a encore du coup ces trois forteresses là à améliorer, mais bon. On va attendre d'accumuler un tout petit peu plus de... Bon, non, on va améliorer celle-ci déjà au moins. Pas mal du tout. Donc notre flotte de transport est bel et bien au sud. Ah bah c'est bien, on est très bien équilibré là hein, sur la recherche. Ok. 80. Moi j'ai un croiseur qui... Je sais, c'est à cause de ces destroyers. Je vais les virer, les détruire. On va refuser une de ces deux-là, parfait. On va profiter pour les upgrader. Juste reprendre et en avoir que 10. On va ajouter nos destroyers. Technology secured. Oh, les réseaux miniers. Ça, ça va nous faire des thunes. Alors, canon électrique ou blindage? Non, pour le canon électrique. Et ici, on va se faire... augmenter notre capa en basse stellaire parce que j'ai l'impression qu'il m'en manque un peu. Mais surtout, on va améliorer tout ça. Alors, ça par contre, toi, t'as rien à faire ici en fait. Je vais intervertir avec lui pour l'instant, et voilà, même, ce sera encore mieux vu que lui nous produit pas mal de nourriture. Là, j'ai que deux réseaux miniers sur la planète, et j'en ai 3. 43, je produis combien ici? 45 avec seulement deux réseaux miniers. Regardez-moi cette production de fou furieux. De malade. Un truc qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait virer une de ces planètes du secteur. Je pense qu'on va virer celle-ci. Voilà, comme ça. Telle est à nous. On va en profiter pour upgrader ça. Et peut-être refaire de la réimplantation. Si on regarde sur juste les trucs de production de bouffe, ici on est bon. Sur Darep Prime. Ouais, il faut que j'intervertisse lui avec peut-être. Ouais, il va venir là. Ah. Oh, pas mal ça. Après il me faudrait juste notre espèce principale encore, peut-être ici. A l'air d'aller. Beaucoup beaucoup d'esclaves en fait, c'est un peu ça le problème quoi. Là. Alors ici on a des petits soucis, on va mettre un peu de loi martiale du coup. Et il me semblait... Enfin, c'est bien dans le secteur, mais... Il me semblait y avoir fait une forteresse, mais apparemment il n'y est pas. On va refaire du coup. Star System Charted. Ok, lui il a fini. Allez, donne-moi cette botte. Normalement, ouais. Encore en train d'être regardé. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il me veut lui? Notre empire abrite un individu brillant. J'ai besoin de lui. Ils vont pas être contents, je sais.
Mais ils sont assez loin de moi, donc c'est pas trop... Pas tant que c'est une menace, quoi. Hop. Regardez ça encore. Ah oui. Alors, logistique de la flotte serait pas mal. Pareil sur celui-là. Et peut-être ajouter deux chantiers spatiaux additionnels derrière. Un peu juste quand même. Hein. Après, ouais, on peut renforcer nos carrefours commerciaux. Mais ici, ce qu'on peut faire, voilà, c'est une zone de haute sécurité. C'est ça que j'attendais en fait. Parfait. Construction complete. Ok, donc. Construction c'est terminé, nickel. Donc toi tu vas nous faire station minière et station de recherche ici. Toi tu vas venir là-haut. Et on attend juste de voir, cette flotte là apparemment a l'air d'avoir terminé son truc. Il reste un... Star system charted. Je vais rajouter quand même... modèle de vaisseau là. Ouais. Pas très confiance. Ah, on va rencontrer de nouveaux aliens. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce monsieur en tributaire au prochain épisode. Et voilà. Ce sera très bien. Donc, écoutez. Juste voir, ça améliore et notre la confiance monte aussi. Oula. Bon, très bien. On va arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Faites une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!